Bien, bonjour à tous, voilà, donc comme je l'avais signifié à plusieurs reprises donc, sur Facebook et suite à la demande répétée de certains nombres de camarades de jeu, je vous propose aujourd'hui mon premier replay commenté, donc soyez indulgents parce que je pense que l'exercice n'est pas forcément facile, donc je commence avec mon char détesté que j'ai horreur de croiser. J'adore lui mettre des obus. Donc c'est notre ami Tête Brûlée qui a fait une partie Magic épique Henri XV. Donc panier de Master MK 268. Donc, je pense que nous allons côtoyer les fonds de map pour le début de game. Ouais, j'ai l'impression que ça se dirige comme ça. Bon, les qualités du char, je pense que vous les connaissez. Hein, donc, donc bon, je pense quand même que malgré tout en termes de jeu c'est plutôt une bonne nouvelle parce que c'est vrai que les mecs qui ont WT la game pour finalement vider ton baril et dès que t'arrives dessus ça ne présentait pas un grand intérêt en termes de dynamique de game. Après, moi je suis pas un fanatique, hein, je joue. Fond de map, je tire. Dynamique de game, c'est sûr que y a pas grand chose à raconter. Hein. Là, je suis dans mon bus, j'arrache les têtes. 57 et 8 sera content. En même temps, moi je suis pas fan de passer par la plage. Hein. Moi je trouve jouant medium light. J'arrive quand même régulièrement de traîner dans la zone 9-5. Voilà, déjà 4000 de dégâts quand même, l'air de rien, ça pique. Master MK qui est pas très loin de lui s'amuse aussi. Puisque les joueurs sortent comme ça, les uns derrière les autres, tranquillement, se disant tiens, on prend cher, mais c'est pas grave. Je pense qu'il va falloir peut-être quelques mouvements. Ah non, ben non, gentiment le jet. Alors ce qui est dommage c'est que dans cette position finalement on ne voit pas trop le char bouger, ça ne permet pas d'apprécier quand même sa vitesse qui est assez élevée. Au revoir au Jag, voilà, au revoir le Jag. Je pense que là il est l'heure de maintenant commencer à envisager des mouvements. Et je regarde autour de moi et je me dis. Je me dis que je vais peut-être bouger, non? Non non. Je déteste les TD pour ça, c'est insupportable. Les mecs attendent toute la game, ils arrachent des têtes toute la game et tu les vois pas. Ah! Ok, alors ça c'est quand même un truc qui vient de se passer assez extraordinaire, je crois. Le gars qui fait une espèce de wheeling sur une chenille sur 20 mètres, j'avais jamais vu. Hein. Moi personnellement, quand je me retrouve comme ça, je bouge plus. Hein. L'originalité de ce mouvement. Bon ben,
peut-être, j'espère que t'as bougé parce que là, quand même, certes, effectivement, tu fais beaucoup de dégâts, mais tu ne proposes pas une dynamique de jeu. Max, il a décidé d'opérer un mouvement. Alors, premier litre de carburant dépensé. Pas trop, quand même, sinon. Je taquine bien sûr, hein, parce que bon, on ne peut pas dire qu'au niveau efficacité pour le moment on s'y retrouve pas. Si le joueur arrive les uns derrière les autres tranquillement et se présente gentiment. J'étais à la HE, donc c'est pour ça qu'il fait que 400. C'est pas le char sur lequel tu peux espérer faire énormément à la HE. C'est possible de lâcher, je suppose. Je perce moins, mais je peux avoir des alphas très élevés. Si je perce pas, par contre, je fais des alphas beaucoup moins importants qu'avec la munition standard. Le T10 et l'autre là qui sont restés, et le T50 TTV qui sont restés un peu au milieu sans trop réagir. Je suis pas fanatique de la position, je trouve que globalement c'est les chars qui sont un peu perdus dans les batailles sur tout le reste de la map et qui peuvent pas du tout aider, sachant qu'ils peuvent y se retrouver en difficulté à pouvoir un peu les tirer par dessus et pas sans pouvoir toujours répliquer. Donc pas forcément le meilleur endroit pour peser sur la game. Là, l'homme wheeling est de retour. En 375, je pense que ce gars-là ne sait pas trop quoi faire, mais bon, en même temps, quand je vois son. Voilà, ben oui, forcément, tu sors comme une émine. Ça sert à rien. Là, il aurait mieux valu peut-être qu'il essaye de s'approcher par la ligne. Est-ce que c'est son rôle à l'équipe 75 s'il peut aider son équipe à soutenir, hein, sachant qu'elle est quand même largement gagnable cette game pour eux. Bon voilà, ça y est, enfin, peut-être brûler un tap de mouvement. Alléluia. Après, encore une fois, la camp la critique souvent, la raison. Et parfois, ça peut être une bonne. Si les joueurs ont décidé que les TD ça faisait pas mal et que ça les dérange pas de prendre plein la gueule toute la game, c'est pas trop aussi. Je pense que c'est cher pour aller au début parce que c'est trop long pour la déposition. Voilà, donc là on voit tout aussi le problème du char, c'est-à-dire que dès qu'il commence à prendre les coups, il y a tout qui pète dedans. Là quand même il a pris 4 4 équipages qui ont foutu le gars, c'est pas mal. Donc là le reload va être largement et sérieusement dégradé, puisque bon, on voit qu'il est passé à 26 secondes, là, quand même, avec les deux loaders en moyenne. C'est les petits camarades qui restent qui essayent de l'eau. Ah, c'est pas grave, moi je suis pas sûr. Pour ça, pour les lights, franchement, quand vous vous retrouvez dans des situations un peu comme ça où vous savez pas trop quoi faire et ça bloque un peu, il faut bouger, vous avez la mobilité pour ça, il faut essayer de chercher à spotter les mecs. Le plus possible,
se déplacer, occuper la map, voilà quoi, chercher les ennemis, ouais, c'est le but. Hein. Faut pas rester sur place comme ça. Alors l'artic est en plein milieu, bravo. Attention pour l'artic, là ce côté qu'elle explode forcément les mortes. Oh ben nos amis Wayne quand même, ils auront fait le taf. Ah, petit Amorak de Master qui aura sans doute apprécié. J'aurais aimé être sur son canal à ce moment-là, je pense qu'il avait bien râlé. À sortir le sang rapidement et faire un bon move pour essayer d'esquiver l'artie. Moteur cassé, ça sera forcément moins évident. Ah, c'est la force du char, moi j'ai vu régulièrement des mecs comme ça sortir en train. Voilà, je crois que bravo, belle partie, plein de dégâts, très passive au début, mais bon, voilà, regardez ça, mais l'efficacité est au rendez-vous, hein, 7200 de dégâts, 7 kills, voilà, 1559 d'XP brut. Eh ben écoutez, franchement, une bien belle game, hein. Qu'est-ce qu'il aura fait Master? Ben aussi, hein, il a fait le taf. Donc, à eux deux, ils ont juste arraché 11 joueurs de la game. Donc, je pense qu'ils ont fait bien le taf. Je pense qu'on peut regretter dans l'équipe adverse de ne pas avoir été capable de s'approcher davantage pour spotter. Hein. C'est dommage que tous les OO et compagnie sont sortis d'abord alors que le 1375 aurait pu venir se positionner. Je pense qu'il aurait pu spot à un moment donné un Master qui était quand même un petit peu plus avancé. Alors, le Gris 15, quand même, il a un bon camou. Donc, pour aller le spotter au début là où il était, je pense qu'il faut quand même avoir une très très bonne portée de vue et surtout pas être dans sa ligne de tir, sinon il t'arrache la gueule. Bon ben voilà, merci Tête Brûlée pour ta game, félicitations pour la master et ben écoute, t'as trouvé un beau buisson qui t'a permis de faire quand même énormément de dégâts, donc félicitations.